Monsieur, bonjour, gloire à Dieu. Madame, un instant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oh! Vous savez quoi? Le Seigneur n'a jamais cessé de me surprendre. Est-ce que notre fille va bien? Elle va très bien. C'est elle. Elle a un don. Mais je dois en savoir plus. On fait comment? Bien. Voici ce qu'on fait. Il faut que vous la laissiez avec moi pour le moment. Et je promets la ramener avant le crépuscule. Frère Tim, notre fille va-t-elle bien? Je veux dire, est-elle normale dans la tête? Monsieur Cribbon, votre fille que voici voit les démons et reconnaît ceux qui sont possédés. En plus, elle sait comment ils fonctionnent. Il y a assez de questions. De quel démon êtes-vous en train de parler, frère Tim? Quel démon? Madame Cribbon, s'il vous plaît, calmez-vous. J'essaie de reconstituer les choses et je crois que tout ceci est lié. S'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est de la laisser avec moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alice, que fais-tu? Sonia, j'ai plus de questions que de réponses. Et auxquelles je ne veux pas répondre. Tout ce que tu dois savoir est qu'on a un contrat. Vraiment? Et si je décidais de ne plus l'honorer? Je n'y penserais même pas si j'étais à ta place. Franchement, pour quel but nous utilises-tu? Et qu'est-ce que je vous donne? Pauvre humain. Si jamais tu ne l'honores pas, ta vie sera plus misérable que celle de ton ami. Qu'as-tu fait à mon ami? Il n'a eu que ce qu'il mérite. Dégage! Qui es-tu? Ton tourment. Deux femmes par jour. C'est à moi. Je l'ai économisé tout ce temps et maintenant je te le donne. Si tel est le cas, merci beaucoup. Oh, c'est gratuit. Merci, c'est pour ça que je t'aime. Moi aussi. Tu es un ange. Merci. Tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Salina. 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 Salina! 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 Non, 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 non
Ils arrivent. Ils arrivent. Ils vont le tuer. Il y a longtemps, j'ai mis pied ici. Hey, mais à voir, tu m'as toujours manqué, mon. Tu peux partir, toi. Oui, oui, donne l'argent à la caissière. Hein. Hey, ça fait un bail, là. Quand tout va bien, on ne vous voit plus. Pas d'argent, grand frère. Toi-même, tu sais. C'est bon, c'est bon. Hein, boss, mais tu deviens encore plus beau, hein. Ok, boss, toi-même, tu sais. L'argent, il y a. Mais ces derniers temps, j'ai fait quelques bises qui m'ont mis dans l'embarras. Toi-même, tu sais, tu me connais très bien. Quand il y a, je dépense. Hein, alors, je te fais quoi? Allez, fais-moi quelque chose qui est à la mode. Ok. Et l'apprenti, il est où? En effet, je l'ai envoyé chercher de la lame à côté. Tu vas pas me croire. Malgré le changement dans ce Ghana moderne, les gens viennent ici et tiennent à se coiffer avec la lame. Tu t'imagines un peu? Oh, c'est quoi? Ils ne te payent pas. Mais combien je peux prendre pour la coiffure à la lame? Mon gars, toi-même, tu connais maintenant le pays. On utilise la machine. Et même la machine est en train de se détériorer. Hey, man. Arrête de parler comme ça. C'est l'argent que tu prends, non? Mais pourquoi les jeunes veulent vivre comme si on était dans les années 60 ou 70? Le fait d'utiliser la lame, tu ne sais pas que cela date des années 60 ou 70? C'est en fait ça. Dis-moi, paraît-il que la dame qui vend de l'autre côté là-bas, elle est décédée d'une façon bizarre. Tu n'es pas au courant? Si les vieilles meurent, c'est nouveau ça? Oh! Les vieilles doivent mourir. Imagine un jour qu'on vient te voir un jour et qu'on te dit que je ne suis plus de ce monde. Que je suis mort. Oh! Ce n'est quand même pas aussi facile que ça. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans le quartier. Je ne sais vraiment pas ce qui leur arrive. Il y a juste 2 semaines, un gars est mort. Les 2 semaines qui ont suivi, 2 autres gars sont morts. Pas plus tard qu'hier, une jeune femme est morte. Comment? Dans le même quartier? Moi-même, je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Ou bien il y a un esprit là-bas? C'est vraiment sérieux. C'est quoi même cette histoire-là, mon frère? Laisse-moi faire mon travail. En tout cas, cette dame que tout le monde connaît, très dynamique, mon frère. J'en parle juste pour avoir des conseils. Quels conseils? Conseille-toi, toi-même, tous les jours, toi, tu ne vas que de femme en femme. Tu ne sais même pas qu'il faut changer. Parmi les filles, là, il y a des mamies Wata. Avoir leur visage comme... Oh, Jay, tu n'as pas changé. Tu ne vois pas une mamie Wata derrière moi? Laisse, tu sais qu'il y a assez de mamies Wata. Laisse. Est-ce que tu suis? Hey, chérie, que suggères-tu qu'on fasse? J'ai fait savoir clairement mon opinion. Le révérend a raison, tu sais, chérie. On doit l'envoyer dans un centre psychiatrique. Quoi? Est-ce que tu que notre fille est malade? Elle a vu venir la mort de cet homme, viste? Elle n'a vu que des choses le poursuivre, ce que moi je n'ai pas vu. Que dis-tu? Elle a dit qu'il allait mourir et il est mort. Ma chérie, la mort de cet homme n'était qu'un accident. Selon moi, bien sûr. Accident? Donc tu crois que notre fille est malade? Tout ça, c'est spirituel. Le seul homme spirituel que je connais, c'est notre psychiatre. Ou t'en connais d'autres? Le frère Tim. C'est le seul homme spirituel de l'église qui ait reçu un don. Est-ce que tu qu'il est plus spirituel que le révérend? Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Ah, bienvenue. Toi et tout le monde devait savoir de quoi je parle.
Ceci n'a rien d'un accident. C'est spirituel. Et si Dieu intervient, tout redeviendra normal. C'était vraiment merveilleux. J'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si calme, hein? Je viens de perdre mon meilleur ami dans les circonstances les plus affreuses. Et tu penses toujours à cela, après ce moment merveilleux que nous venons de passer, hein? Vinstar. Merde, je suis vraiment désolée. De toutes les façons, est-ce que tu as des enfants par hasard? Hein? Dis-moi, c'est juste une question. D'accord. Qu'en est-il de toi, joli garçon? Es-tu marié? S'il te plaît, c'est juste une question. Mais c'est quoi cette question? Es-tu marié? Réponds-moi simplement. Tu continues de me poser cette question stupide? C'est quoi cette question stupide? Qu'est-ce que cela de stupide? Ce n'est juste qu'une question. Comment peux-tu me poser une question aussi stupide? Mais ça a quoi de stupide? Je n'ai fait tu que demander. Tu demander? Allez, sors. Sors de ma voiture. Es-tu sérieux? J'ai juste demandé. Tu penses que je blague quoi? Vas-y doucement, je t'ai posé une question. C'est quelle stupide question ça? Je t'ai juste posé une question. J'ai juste demandé. Sors de ma voiture. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Je lui ai juste posé une question. Mon habit, chérie, mon habit. C'était juste pour savoir, mais tu es fou ou quoi? Vas-tu me laisser comme ceci? Comment peux-tu me laisser comme ça? Mon Dieu, ce gars est fou, tu es malade, comment peux-tu me laisser comme ceci? Révérend, vous allez bien? Oui. Y a-t-il quelque chose? Je ferai mieux de revenir quand vous serez de très bonne humeur. Oh, ça c'est une très bonne idée. Fatigué. Toi, tu m'as traité de Mamiwata. Quand? Je dis que tu m'as appelé Mamiwata. Je t'ai entendu dire à ton ami que je suis Mamiwata. Non, je ne parlais pas de toi. Quoi? Tu dis quoi? Non. Pas moi. Ok, ah, toi d'accord. Aussi. On dit quoi? Tu m'as manqué. Quoi déjà? Donc j'ai envie de quelque chose. Oh, pas ici. Tu sais, non? Oh, pardon. Écoute, mon ami vient de me dire qu'il y a beaucoup de morts ces derniers temps. Et après, je suis ta femme. Écoute, calme-toi. Non, je ne veux c'est rien bizarre, entendre alors. Tu sais quoi? Il vient juste de me le dire. Et quoi? J'ai pas envie de ça aujourd'hui. Jamais je ne te le laisserai, c'est là entre s'il toi et moi. S'il te plaît. Mon heure. Mon rêve. Jésus.
Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je te remercie pour cette révélation. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur toutes les forces maléfiques qui sont en train de circuler à cette heure de la nuit. Je prie, Père très saint, pour la révélation divine pour anéantir toutes ces forces maléfiques, toutes les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je brise et je lis toutes les œuvres de l'ennemi, tous leurs plans. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qu'ils planifient contre les œuvres des enfants de Dieu soit vain. Au nom puissant de Jésus, on le détruit au nom puissant de Jésus. Oh barabaraba, oh shakarababa, oh barababa, au nom puissant, oh nom puissant de Jésus, oh barababa. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur. D'accord, bien, elle est là, oui. Je vais vous laisser vous entretenir. Ok monsieur, merci monsieur. Je serai à l'intérieur. Dis-moi, as-tu entendu les chiens aboyer la nuit dernière? Oui, le Seigneur s'est pas éteigné et il était convoqué pour le rencontrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est la plus importante de leur démarche pour assurer le contrôle de ce monde. Tu sais, ce qu'on devrait chercher à faire maintenant, c'est de savoir pourquoi tu as ce don et dans quel but. Es-tu prête pour sortir? Et où allons-nous? Comprendre notre destinée. Parce que toute la nuit dernière, les chiens étaient à côté de ma maison. Et vous êtes inquiet. Alors, Fratim, qu'est-il arrivé au révérend Odam? Que son âme repose en paix. Oh. Il est mort mystérieusement dans son bureau. Ah. Personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Oh mon Dieu. Oui. N'importe comment, maintenant que vous êtes là pour le remplacer, j'espère que vous aurez les paroles qu'il faut pour avoir assez d'impact sur la vie dans la congrégation. N'est-ce pas? Oh oui. En fait, s'agissant de cela, j'ai un bon pressentiment, tu sais. Okay. L'Esprit Saint est à l'œuvre, tu sais. Et grand merci pour avoir répondu à notre appel. L'appel de Dieu. Ok. N'importe comment, tu sais quoi? Dépose-moi par ici. Je voudrais bien continuer à pied. Vraiment? Oui. Je te verrai à l'église. Juste pour avoir une idée de la zone, ok? Ok. Okay.
Où est-elle? Où bon sang est-elle? Et je suis venu juste pour t'aider. Tu m'appartiens. Ah, oh mon Dieu, ça va? Oui. Êtes-vous sûr? Oui, merci. C'est juste pour ça que vous êtes venu? En fait, j'ai un grand faible pour les crackers. D'accord. J'aimerais bien vous revoir. Voici ma carte. Appelez-moi un de ces quatre. Sûr. D'accord. Ravi de vous avoir rencontré. Le plaisir est partagé. Alex, ça fait longtemps maintenant que tu ne viens plus à l'église. Tu sais que les temps sont mauvais. Tu venais prier le Créateur. Et c'est important de se rapprocher de lui. Ça va? Oui. C'est sûr? Tu veux te confesser? Le révérend est mort. Oui. Il a été remplacé. D'accord. Je vais le rencontrer. Désolé, il vient d'arriver. Tu peux te confesser, d'accord. Ainsi tu auras la conscience tranquille. D'accord. Allons-y. La parole de Dieu dit: nous devons nous confesser au Seigneur, le Père de nos pères, et faire ses désirs, ce qui nous séparera des personnes qui nous entourent et des étrangers. Qu'as-tu fait, mon fils? Sonia. Oui, maîtresse. Comment ça évolue avec frère Tim? Je suis vraiment désolée concernant frère Tim, mais j'ai tellement essayé. Évidemment. Écoutez, maîtresse, je peux très bien m'occuper de la situation. On la ferme! Comment oses-tu parler pendant que je parle? Vous voyez ça? Vous voyez son assiduité à la prière? Qu'as-tu fait tout ce temps? Je suis vraiment désolée. J'ai besoin de plus de temps. Depuis combien de temps tu le répètes? Je peux m'en occuper. Non! Je pense qu'il faut que je te change. Et toi? Tu es sûre que tu en es capable? Oui. Je l'espère pour toi.
Alvina. Ça va? Ils sont là. Qui est-ce? Parle-moi. Qui est ici? Chérie, que penses-tu qu'on puisse faire à pareil? En fait, je suis si confuse. Que penses-tu qu'on puisse faire maintenant? Alléluia! Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu fait et nous devons nous en réjouir. Et le célébrer, amen. Cette même église dans cette ville a perdu notre très cher révérend Odami, mystérieusement. Mais les dirigeants de cette église ne nous ont pas oubliés au moment opportun. Ils nous ont envoyé un nouveau révérend comme leader. Et il va nous prêcher la bonne nouvelle ce matin. Peuple de Dieu, le révérend Fred. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être un des vôtres. Je suis ravi d'avoir été renvoyé dans cette communauté pour vous diriger. Pour commencer, nous allons lire la parole dans le livre d'Isaïe. Il est un des leurs. Il est un des leurs. Excusez-moi. Il est un des leurs. Assieds-toi, assieds-toi. Il est un des leurs. Il est un des leurs. Excusez-moi, ok? Viens, viens sur moi. D'accord. Alors, tout au début. Il est un des leurs. Il est un des leurs. C'était bien? Ouais, c'était bien. C'était bien. Dis-moi, Fretim, que disait cette petite fille tout à l'heure? Non, rien. Hein. Ne vous en faites pas. Ah. Qu'est-ce que t'as donné, tantesse? Sentez-vous l'odeur d'une chair qui brûle? Non. D'accord, votre bureau. Et révérend Fred, je pense que vous aurez besoin d'une de ces croix en argent. Elle pourrait vous protéger contre les mauvais esprits. Fratim, je suis un simple homme de foi. S'il vous plaît, enlevez votre croix de mon siège et gardez-la, ça ira. Merde, la croix. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré ici? Que dirais-tu si vous voyez cela? Donne-moi ta main. Cet homme. Le Fractim est ton ennemi. Que voulez-vous que je fasse? Tue-le. Lève-toi, ô juge de la terre. Donne aux oreilleux ce qu'ils méritent. Pendant combien de temps? Oh Dieu. Frère Tim, vous êtes les bienvenus. Merci. Comment allez-vous? Bonsoir madame. Alvina, il est temps qu'on rentre à la maison. Allons-y. Monsieur Cripbon. Oui. Vous doutez encore d'elle? Frère Tim, tout ce qui s'est passé est si... Pensez-vous que je n'ai pas aussi des doutes? Bien sûr. Mais c'est une voyante et elle les voit tous. Et le révérend? Bon, je verrai bien. Et s'il vous plaît, laissez-la avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
C'est bon. S'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alvina, n'oublie jamais qu'on t'aime. Je t'aime aussi. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'inquiète, ça va aller, ok? Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. J'ai fait un rêve. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on se rende dans la forêt. On doit trouver ce miroir. Miroir? Dans la forêt? C'est très urgent. Laissez-moi rapidement entrer, prendre quelques trucs utiles et des lampes torches, s'il vous plaît. Probablement des choses. Écoutez, pourquoi ne cherchons-nous pas un abri pour nous y reposer? On est fatigué et en plus, le ciel est orageux, ce qui veut dire qu'il va pleuvoir. Non, 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 frère Tim, nous avons encore une longue distance à parcourir. Et si nous continuons comme ça, nous risquons de n'aller nulle part. Quoi? Oui, nous devons finir ce travail avant la tombée de la nuit. Oui, je crois qu'il a raison. Allons-y. Je sens le malheur à notre housse. Là.
Jésus, Jésus! Frère Ima. Hein? Où est-ce qu'il est passé? Ils l'ont eu. Dieu a donné et Dieu a repris. Que son âme repose en paix. On continue. J'ai soif. Tu sais, continuons la marche. Je suis plus que certain qu'on trouvera une rivière, d'accord? Ok. Oh, voilà de l'eau. Mais malheureusement pour nous, cette eau n'est pas propre. Oh, mais frère Tim, j'ai vraiment soif. Il me faut de l'eau à boire. Je sais. Continuons de marcher. Nous trouverons de l'eau potable plus loin. Allons-y, allons-y. Nous sommes à mission. Allons-y, allons-y. Nous sommes à mission. Jésus! Frère Fio! Frère Fio! Frère Fio! C'est trop tard. Il est mort. On continue. Ne passez pas par ici. Passez par là. Ne l'écoutez pas. Il est l'un des leurs. Que dis-tu, Alex? Je vous aurais déjà tué si je le voulais. J'essaie juste de vous tirer d'affaire. Ces gens-là m'ont trahi en m'enlevant mon ami. Donc je peux te faire confiance? Vite, partez. Allons-y, allons-y. Linda! Linda! Oui, maîtresse. Où sont les autres filles? Là-bas. Qu'elles viennent! Ok. Ça veut dire quoi tout ceci? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Pourquoi avez-vous permis à ces gens d'en venir jusque-là? Je promets. Oh, la ferme! Madame, c'est... Toi, la ferme! Vous êtes toutes des incapables. Je ne peux plus supporter cela. Je
Je pense que je dois personnellement m'en charger. J'irai dans le monde. Entends-tu des pas? Oui. Écoute. Cachons-nous. Jésus. N'est-ce pas la sœur Queen? C'est elle. Sœur Queen. Que fais-tu par ici? J'ai été à la maison, m'a dit que vous étiez parti dans la brousse. C'est vous que je cherchais comme ça. Cette forêt est pleine de mauvais esprits. Tu as de la chance que tu sois encore en vie. Le frère Ima et frère Afio sont déjà morts. Allons-y. Oh, vous voici enfin. Révérend frère. Oui. Que fais-tu par ici? J'ai été conduit par l'Esprit Saint pour vous sauver. Nous sauver? Oui. Sœur Queen. Frère Tim, venez. Non. Il est l'un des leurs. Quoi? Il est l'un des leurs. Jésus. Frère Tim. Jésus. Attendez. Jésus. Attendez. Quoi? Il n'est pas loin. Vrai? Il n'est pas loin. Par où? Par là. Quoi? On creuse? Il y avait une lumière par ici. Mais il n'y a pas la lumière ici. Alors, retrouvons-le. Cherchons dans les environs. J'ai trouvé une houe. J'ai trouvé une roue. Ça doit être quelque part par là. Ce que vous cherchez, vous n'allez jamais le trouver. Donnez-nous Alvina et partez. Et si je refuse? Donnez-la à nous, frère Tim. Non. Donnez-la à nous et partez. Sinon quoi? Donne-la à nous. Que penses-tu être en train de faire, frère Tim? Je ferai tout pour sauver ce monde. Même tuer. Tim! Reculez! Reculez! Continue de chercher. Vous aurez dû le tuer! Je dis reculez! Et où penses-tu aller, toi? Tu penses que je ne sais pas que tu as été leur complice tout ce temps? Je crois l'avoir trouvé. J'ai dit reculez! Reculez! Faites quelque chose d'imbécile! Délivrez-nous, Seigneur! Mourir, vous tuer? Même à une mouche, je ne ferai pas du mal.